Bonjour Yanis. Du coup, oui, je vais profiter du live aussi pour répondre aux questions sur l'évaluation, si jamais il y en a. Vu qu'il y a eu deux, trois petites questions déjà. Bonjour Manon. Comment ça, non Manon? Bonjour Clémence. Bonjour Hugo. Du coup, oui, pendant le live d'aujourd'hui, on va faire les corrections des trois derniers exercices, là, 13, 14, 15. Là, je vais vous laisser retourner faire l'évaluation, certains l'ont commencé. Là, il ne devrait pas être très long, hein, normalement. Bonjour Joshua. Bonjour Alexia. Non, Ah, je ne demandais pas s'il y avait des questions. Je disais qu'il y avait déjà eu des questions sur l'éval. Et que du coup, je vais faire un point en live avec tous ceux qui sont là. Bonjour Zoé. Bon, on va commencer parce que du coup, vous avez déjà un petit peu de travail à faire aujourd'hui. Alors, vous aviez du coup les exercices 13, 14, 15 à faire aujourd'hui. On va regarder ça ensemble. Et après, on fait un petit point sur l'éval parce qu'il y a déjà eu 2-3 questions et il faut que tout le monde soit au courant. Bonjour Nathan. Alors, si on regarde l'exercice 13 qui est là, donc ça c'est la correction, on va dire, experte, mais il y avait d'autres façons de le faire. C'est-à-dire qu'on vous disait dans l'énoncé que Madame Green payait 36 euros pour 3 quarts de kilogramme de caviar. D'accord? Donc ça veut dire que si, ouais, si j'avais un cercle. Ce serait plus simple. Donc vous imaginez. Ah. Peu près rond, on va dire. Donc vous
vous imaginez un gâteau où il y a les trois quarts qui sont coloriés. Hop, voilà. Et la part coloriée représente du coup 36 euros. Alors, donc c'est ce qu'on vous dit. Et il faut retrouver le prix du kilo entier, donc le prix du coup des 4 parts. Du coup, ce qu'il faut commencer par faire, c'est avoir le prix de chaque part. D'accord ? Bah, comment on va faire ça ? Bah, on va... Étant donné que 36 euros, c'est le prix de 3 parts, bah, on fait 36 divisé par 3. Et ensuite, pour avoir les 4 parts, on va faire x4. En faisant ça, en fait, on retrouve le calcul qui est là. C'est-à-dire 36 x 4 divisé par 3. Ou 36 divisé par 3 x 4. D'accord ? Donc ça, c'est la résolution que... alors, si c'est flou, ça vient dans ce cas de ta connexion, a priori. Moi, j'ai pas trop de soucis ici. Donc, du coup, ici, une fois que vous avez ça... Vous savez que 36 divisé par 3, effectivement, ça fait 9. Donc, du coup, chaque part vaut 9. Donc, le gâteau total, 9 fois... non, pas du tout, en plus, c'est faux. Et chaque part vaut 12. Yanis. 36, là, c'est le prix des 3 parts. Des 3 quarts de kilo. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là, 36, c'est le prix des 3 quarts de kilo. Donc, un quart de kilo, ça fait 12 euros. On peut le noter sur chaque part. Hein. Ici, ça fait 12 euros. Et pareil, 12 euros, 12 euros, 12 euros. Chaque part vaut 12 euros. Donc, le gâteau, au total, fait 48 euros. D'accord ? Comme ça qu'on retrouve ça sans utiliser des fractions. Alors ça, c'est une façon d'expliquer. Sinon, il y avait une autre façon, c'était de dire que 1 kilo du noir. Hop. Donc 1 kilo, c'est 40, c'est tant d'euros. Je sais pas combien. Mais ce tant d'euros fois 3 quarts, pas du tout dans ce sens-là, bah, c'était égal à 36. Alors, donc on ne sait pas combien fait un kilo entier, mais on sait que 1 kilo, le prix d'un kilo fois 3 quarts, ça fera 36 euros. Ça, c'est ce qu'on ferait en temps normal, on va dire. Mais du coup, si dans un sens on fait fois 3 quarts, bah dans l'autre sens on fait divisé par 3 quarts. Donc pour retrouver ce qu'il y a dans les trois petits points, là, ici, bah je fais l'inverse de fois 3 quarts, c'est-à-dire divisé par 3 quarts. Donc 36 divisé par 3 quarts. Et donc voilà comment on obtenait le 48 en façon, on va dire, un peu experte. Voilà. Ça, c'était un exercice que vous referez souvent l'année prochaine quand on travaillera sur la proportionnalité. J'espère que les deux façons d'expliquer ont convenu à tout le monde. Donc il y en a une qui expliquait pourquoi on avait fait 36 divisé par 3 quarts et l'autre qui expliquait pourquoi on trouvait 48. Et sinon, donc, le 14 était un petit peu plus facile. Donc le 14, vous aviez à calculer A et calculer B, calculer A fois B, et ensuite dire si c'était des inverses ou pas. Donc calculer A, calculer B, c'était pas trop difficile. C'est-à-dire qu'il fallait mettre au même dénominateur. Donc ici c'était 6. On avait du coup 14 plus 15 sur 6, donc 29 sur 6. Et là pareil, on met au même dénominateur. Donc 7 fois 5, 35 en bas. Et du coup si je fais x5 en bas, je fais x5 en haut. Si je fais x7 en bas, je fais x7 en haut. Et du coup 15 plus 14 en haut. Donc d'un côté on avait 29 sur 6 et de l'autre on avait 29 sur 35. On fait donc le produit des deux.
on trouve 841 sur 210, en tout cas pas 1. Donc ce ne sont pas des nombres inverses, puisque je vous avais rappelé la dernière fois que deux nombres inverses, quand on fait leur produit, leur multiplication, on trouve 1. Donc ce ne sont pas des nombres inverses. Donc c'est tout ce qu'il y avait à faire pour cet exercice-là, donc pas trop compliqué. Et pour le dernier, donc je vous avais dit, c'est comme des... comme l'exercice 11 par exemple, vous avez un calcul divisé par un autre calcul. Bah là c'est pareil, sauf que du coup ce sont des fractions. Donc un calcul divisé par un autre calcul. Et du coup ça donnait ça, alors c'était présenté un petit peu différemment par rapport à d'habitude. Et c'est la même chose que d'avoir des parenthèses, donc c'est-à-dire que... Alors par contre, attention à votre signe égal, hein. Il faut qu'il soit vraiment sur la barre du milieu, et que la barre du milieu soit grande. Et donc sinon, en haut, on met un même dénominateur, donc 6. Donc ici, je fais x2, x2, x3, x3. Et ça me fait du coup 4 sur 6, plus 3 sur 6 pour le haut. Mais je fais aussi la même chose en bas. Donc en bas, il faut que ce soit au même dénominateur. Alors il suffisait de faire x3 ici, hein, que ce soit au même dénominateur. Donc on obtenait 3 sur 9. Et du coup, 17 neuvième moins 3 neuvième. C'est 14 neuvième. Et du coup, on obtenait une fraction divisée par une autre fraction. Et ça, du coup, ça correspond à multiplier par l'inverse de la fraction du bas. Donc l'inverse de 14 neuvième, c'est 9 sur 14. Et ensuite, on refera ça en cours, parce que je pense que ça va pas être bien acquis pour tout le monde. On simplifie en même temps. C'est-à-dire que du coup, on fait 7 fois 3 fois 3 en haut. Et du coup, 3 fois 2 ici, plus 7 fois 2 en bas. Et on barre tout ce qui est en commun. Et du coup, une fois qu'on a ça, on barre les 3, on barre les 7 qui sont en commun, il nous reste 3 en haut et 4 en bas, donc 3 quarts. Et donc pour le deuxième, c'est la même chose avec des signes moins, donc on met au même dénominateur le haut, on met au même dénominateur le bas, on effectue du coup les calculs, on obtient une fraction divisée par une autre fraction, donc on obtient une fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction. On décompose tout ce qu'on peut, on simplifie et on obtient moins 2 cinquièmes. Voilà. Donc ça, c'était les trois derniers exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Ceux qui sont là, est-ce qu'il y a des questions sur un des trois exercices? Je vais essayer d'être assez rapide pour que vous ayez votre temps pour faire votre évaluation. Mais est-ce que j'ai été trop rapide? Il reste des questions. A priori non. Ok. Très bien. Donc dans ce cas-là, concernant l'évaluation, vous avez du coup je sais pas, c'était du lofi. Du coup, les corrections du dernier exercice, oui. Je zoome un peu, voilà. Et y a tout. Donc pendant que je laisse ça du coup à l'écran, vous avez donc votre évaluation à faire aujourd'hui. Donc lisez bien les consignes. Vous allez voir qu'il y a des parties où vous avez pas besoin de justifier, mais du coup c'est sans utiliser la calculatrice, des parties avec la calculatrice, des parties où vous avez besoin de justifier. Et il y a eu un souci avec du coup une des questions. Il vous demandait du coup de déposer votre travail directement dans le fichier, dans le questionnaire. Et en fait, elle était buggée, donc je l'ai changée et je vous demande du coup de m'envoyer la photo de votre travail directement en message privé. D'accord ? Donc comme si vous m'envoyez un message privé ou comme si vous envoyez un message privé à quelqu'un, vous m'envoyez une photo de votre travail comme ça.
Vous verrez du coup le barème sur la question. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est juste regarder le barème pour voir comment c'est noté. Et une fois que c'est envoyé, ben, vous tapez envoyer comme réponse si vous voulez, et puis vous validez la question. Non, pas par mail, Yanis, par message privé. Tu vas simplement dans Teams, tu vas dans Conversation, et puis tu m'envoies un message. Tu sais le faire normalement, je pense. Comme ça, j'ai tout sur Teams, parce que sinon, ça va être impossible à gérer. Bon, donc voilà. Donc je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Du coup, ben, bon petit bilan là, faites ça tranquillement, voyez s'il vous manque des choses. Et moi je reste dispo pour répondre aux questions besoin. Donc bonne journée à vous et bon week-end derrière après. Et peut-être à lundi du coup pour certains. Donc lundi, au fait, oui, c'est confirmé, il n'y aura pas de live. Je serai en cours aux horaires de live.